Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. Une nouvelle fois, cette fois-ci on change un petit peu de jeu habituel, on va sur donc du WWE 13, donc voilà, on va catcher un petit peu. Il y a plein de modes de jeu différents, hein, comme on peut le voir. Je vais pas vraiment faire un test, là je vais plus faire un petit mode délire en fait. On va partir donc en match 1 contre 1, les règles extrêmes, c'est-à-dire qu'on a vraiment le droit de tout faire, de prendre des chaises, de fracasser, etc. etc. Alors, donc voilà, j'ai pas trop l'habitude de jouer en mode normal, donc du coup, bah voilà, j'ai pas tous les personnages. Hein, on voit qu'il y en a quand même pas mal, il y en a quand même un bon nombre. Voilà. Qui c'est qu'on va prendre? Qui c'est? Allez, on va quand même prendre les plus connus. Allez, on va prendre donc John Cena. Voilà. Ouais, en plus, on peut même changer les tenues, comme on voit. Ouais, tenue d'origine, ça ira bien. Sélectionner, voilà. Et puis là, est-ce qu'on peut faire... Ouais, on peut faire aléatoire. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Aléatoire. Hop là, ah, Triple H. En plus, c'est le vieux Triple H. On va peut-être prendre, allez, s'ils veulent mettre du Triple H, on va mettre le plus nouveau, plus récent du moins. Où c'est qui se cache, ce petit? Alors. Ah, voilà, il est là. Voilà. Ça va être un beau match, hein. ça va être un très beau match. Voilà. Alors, les règles, ouais, ça. On laisse tel quel, on va rien changer à tout ça. Voilà. Donc j'ai désactivé les entrées, hein, sinon il y a les entrées qui sont faites, on voit très très bien les petites arrivées des joueurs, etc. Niveau graphisme, il envoie du pâté, comme on dit. C'est parti pour le combat. Voilà, oulala. ça fait mal, ça quand même. Attention, une petite. Allez, hop là, boum, oh, oh, oh. Est-ce que tu l'as senti passer, ça, mon petit? Donc voilà, il est quand même assez simple à prendre en main. Ouf, allez, attention. Oh là là. Oh merde. Il s'est réveillé un petit peu, là, le lascar, quand même. Alors, bon, comme vous le savez, j'ai pas trop l'habitude du live commentary, mais j'avais envie de m'essayer à l'exercice. Ah, oula, là, il va me ruiner la tête. Ouf, ça fait mal, ça. Ouh. Attention, je vais me fâcher un peu, là. Je vais l'envoyer, voilà. C'est vraiment très, très simple, hein, pour envoyer les bonhommes. Voilà. Voilà, comme pour, d'ailleurs, passer de l'autre côté du... voilà. Hop. Oh merde! Allez, je vais pas me faire chier longtemps. Voilà! Attention, là il y a un truc qui est pas mal, voilà. C'est quand on l'envoie là près des gens, et poum! Oh merde! Ouf, là il m'a fait mal là. Là, il m'a fait mal parce que j'ai voulu lui faire mon coup spécial, mais ça a foiré. Parce que, à mon avis, je pouvais le faire que sur le ring. Alors, voilà. Un petit finisher. Attention. Là, ça fait mal, ça. ça fait très mal. Allez. On va lui donner quelques coups, là, bien placé. Un petit coup dans le dos. Tiens. Ah, le public là. Ouh, attention. Hop là. Là, ça c'est pas mal ça. J'essaie de se relever. Ouf, là il est vraiment mal en point. Ah d'accord, je viens juste de comprendre. Ouf, oh là là. J'ai mal joué là. Ah, voilà. Juste de comprendre comment je pouvais prendre les... c'est pas du tout comme dans le mode histoire. Là, je peux vraiment choisir ce que je vais prendre sur le ring comme arme. Voilà. Un petit coup de tête bien placé. Baum.
Voilà. Ouf, là il s'est énervé, là je crois bien. Ah non, pas tant que ça en fait. Allez, reviens par là, mon petit. Ouf, oh là là. Quelques petits coups de poing bien placés. Attention. Voilà. Ça, c'est encore une fois bien joué. Voilà, je vous le dis clairement, il est quand même mal en point. Hein. Et bon, je vais m'amuser un petit peu avec lui. Ah, là par contre faut faire gaffe parce que donc là il a le truc revanche, c'est une petite montée pardon d'adrénaline, je vais y arriver. Ouf, attention, voilà. Ah, je sais pas du tout comment il fait son coup spécial, je ne sais pas, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, ça le fait pas, là c'est pas très pro ce que je fais. Voilà, là j'ai réussi mon contre, les contres sont vraiment durs à réaliser dans ce jeu. Ouf. Voilà, faut mitrailler les gâchettes, vous l'entendez sûrement d'ailleurs. Vous entendez sûrement que je mitraille les gâchettes. Voilà, encore un petit contre. D'ailleurs on voit là, il saigne. Hein. Voilà. Ouf, ça va faire mal, ça. Donc là, je vais essayer de le faire se soumettre. Il faut mitrailler donc les boutons A. Là, d'ailleurs, on voit là, je suis à deux doigts de réussir. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, il a abandonné le combat comme un lâche. Comme un lâche, il a abandonné le combat donc par soumission. Alors on va voir les meilleurs moments là, voilà. Quand je vais éclater la tête contre le bord, fou là, ça fait mal. Rien à redire. Là, il a s'est explosé contre le sol. Il est fort cette jeune scénario, il est fort, hein. Rien à dire là. On va faire un deuxième combat là pour le fun, ça fait que 7 minutes que je suis avec vous, donc on va essayer de faire un deuxième combat. On va changer de règle. Vous voyez les mouvements des personnages, c'est vraiment bien fait. Hein. Et il m'avait quand même bien abîmé la main, hein. J'ai du sang sur la main. J'ai du sang. C'est pas bien ça. Ah ouais. On le reconnaît bien là, le petit Senna. Hein. Bon allez, on va abandonner ça. Hein. Donc, quitter. Et donc on va passer sur un autre mode de jeu. On va faire du 2 contre 2 cette fois-ci, hein, pour vous montrer toute autre chose. Alors, allez, tag team, c'est parti. Et puis là, on va... Hop, alors, donc... Aléatoire, voilà. Ouais, on va tout mettre aléatoire, j'ai dit. Ah merde, je me suis trompé. Autant pour moi, j'ai été un petit peu... Voilà, aléatoire. Ok. Oui, contrôler les partenaires, bien sûr. Mince, aléatoire. Voilà. Je les connais pas du tout, hein, ces deux bonhommes-là, parce que ça fait... Je regardais le catch avant, mais ça fait très longtemps que j'ai abandonné. Donc ça, c'est tout des nouveaux, hein, des nouveaux catcheurs. Que je ne connais pas. Ah bon, bah, The Rock, bien sûr, là, on connaît quand même. Un Dwayne The Rock Johnson, qui est devenu acteur d'ailleurs. On va enlever les entrées une fois de plus, sinon on va pas en finir. Voilà, sélectionné. Donc oui, en effet, on peut cibler aussi, là, comme il le montre, on peut cibler les personnes. Ça, c'est quand on joue, par exemple, il y a trois personnes sur le terrain ou des choses comme ça. Ouf, merde, ça commence mal pour moi, là. Oh là là. Ouf, oh, oh. Ouh là 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 là, je me fais ruiner. Hein. Donc oui, voilà, moi, je suis avec le joli slip noir et violet. Ah, il y a un truc que j'aime bien faire quand je suis en tag team. Bon, bah, bien sûr, là, je l'ai raté. Tiens, allez, voilà, va par terre. Ah, ça fait mal, ça. Hein, voilà, là, il est décompté, hein, faut vite qu'il se dépêche de remonter dans le... Voilà, hop, bam, ça c'est fait. Il m'avait énervé tout à l'heure. Oula, attention, là, je risque fort de... Voilà, bah, bravo.
Ouh, le coup de genou téléporté là, ça fait vraiment mal. Attention, il me soulève telle une feuille de papier là. C'est un... Ouf, je suis vraiment sonné là. Attention. Allez, c'est parti là. Hop, à nous deux. Ça, j'adore faire ça. Hop là, tiens. Et vous voyez derrière les pancartes, hein, c'est selon vraiment les personnages. Ouf, oh, t'as dû le sentir passer celui-là. Hop, alors là, le coup de la crêpe retournée, hein. La crêpe retournée suivie de la crêpe inversée. Ouf, les coups de pied dans le dos. Ah là, il veut changer avec son partenaire. C'est pas grave, on n'a pas peur de The Rock, même si je suis 3 fois plus petit. Ah, toi, j'ai des petits pieds, hein. Ouh là, je suis sur le mauvais. Je cible le mauvais personnage. Voilà. Voilà, hop. Alors, attention. Mon petit The Rock. Ouh là 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 là, il est souple, hein, ce petit bonhomme, hein. Vous voyez ça sur le. Pff, on ne sait pas trop à quoi ça a servi, mais il est souple quand même, hein. Ouf là là. Bien, remonte. Je lui fais peur, hein. Poum! Tiens, dans le dos. Allez, on va rechanger de personnage. Voilà. À nous deux. Ouh là là. Alors là, attention. Et bam! Tiens. Ouh là 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 là, le double coup de pied de chaque côté, ça s'appelle le coup du croque-monsieur, sachez-moi. Ça fait mal. Oh, attention là. Ouh, The Rock, il s'est énervé, mais il a foiré son coup de poing. Il a foiré son coup de poing parce qu'il a oublié ses lunettes. Ça fait relativement mal, ça. Alors là, hop. Allez, on va t'écraser le genou dans la mâchoire. T'auras pas besoin de passer au dentiste. Ouh là, attention là, une clé de bras, il me prend, ouh là là, la nuque là, il me l'a explosé par terre, ouf, genre de truc qui fait pas du bien ça. Oh là 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 là, il s'énerve le petit Dwayne The Rock Johnson là. Attention, ça va faire mal au dos ça, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas trouvé comment faire mon coup spécial, mais j'ai mon finisher là qui m'attend, le petit logo F. Oula, il m'a explosé le talon par terre là. Ouf, là je dérouille, hein. Ça serait temps de changer de personnage. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me met dans la jambe là. Dehors, la jambe complètement démolie, le pauvre. Ouf, voilà. Allez, donc là on va pas faire le finisher tout seul. On va attendre qu'il revienne. Tiens, tu vas revenir par là, mon petit. J'ai raté mon tombé. Voilà. Ah, il peut pas faire le finisher tout seul. Ah, il peut. Enfin, il peut. Normalement, on peut faire des finishers à deux, mais là, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave en soi. Ouh là 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 là, ça va faire mal, ça. Poum! Allez, on explose le bras. Ouf, ouh là. Ouais, je suis un peu trop léger pour tenter une soumission face à The Rock, à mon avis. Alors on voit que là il se tenait le bras, ça veut dire qu'en fait il est blessé par le bras, hein. C'est pas juste pour faire joli dans le jeu qu'il fait ça. Ouf, oh là 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 là. Voilà. Quand un personnage se tient, c'est vraiment qu'il est blessé. Ah, ça va faire mal. Poum, ouf, je vais exploser la tête. Oh là là, il est vraiment très rapide ce petit personnage là. Vraiment agréable à jouer. Oula. Ouf. Oh, oh, oh. Ouf. Hop, le coup de la toupie. La claque dans la tête. Tiens. Au cas où tu sois jaloux, que t'en aies pas eu aussi. Allez, on va l'envoyer de l'autre côté des cordes. Oups, tiens, j'ai raté. Voilà, ça c'est fait. Les deux sont par terre. Allez. Ouh là là. Ah, ce qu'il m'a mis là. Ouf, ça je m'y attendais pas, ça, hein, pour dire vrai. Alors, attention. Allez, écrasement frontal. Ça va que j'ai mon masque.
Je croyais être très peu fort de la moto, mais c'est raté. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Je me demande finalement si je vais gagner ce combat parce que. Ah, il va. Non, j'ai cru qu'il allait tenter une soumission. Oh là là, il me soulève comme si de rien n'était. En même temps, je suis pas très lourd. Voilà, et il va tenter une soumission. Non, on va pas avancer. Allez, on va le soulever. Hop, même pas peur, j'ai beau faire 1m10. Oh là là. Ouf. Oh là 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 là, ce qu'il m'a mis là. Donc là, sachant que je suis décompté, c'est quand même assez dangereux. Oh là là. Donc là, j'ai de fortes chances de perdre. Oh là 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 là. Il va m'achever là, il va m'achever. Ouf, c'est bon. J'ai eu chaud là, à mon avis. Je sais pas combien il était l'arbitre. Ouais, j'ai attendu que j'ai coupé le son de ma télé pour pas que ça vous gêne. Mais j'ai vraiment eu peur, c'est pour ça que je parlais plus. Là, j'étais terrifié. Allez, hein, on va reprendre le dessus. Je sais pas du tout d'où se fait son coup spécial à lui. Ouh là 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 là, c'est pas bon ça. Ouh, c'est pas bon ça. Tiens. Voilà. Allez, on va tenter de tomber là pendant que The Rock est par terre. Et voilà, on a gagné le combat là. Bien ce que j'ai envoyé The Rock par terre, je sais pas trop comment, et j'ai pu le gagner. Voilà, voilà, donc vous avez pu voir deux modes de jeu, hein, avec un live commentary un peu bof-bof, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas l'habitude et pas assez d'expérience pour les réaliser, hein, j'ai beaucoup de moments où je sais pas trop quoi dire. Mais voilà, je pense que c'était un petit moment fun, une petite vidéo détente, comme on va dire. Voilà, les meilleurs moments. Ah, ils sont forts, ces catcheurs, quand même, hein, ils ont beau être en slip, quand même, ils sont forts. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là on va attendre, voilà, hop, voilà, il est tout content, hein, il se lève pour Danette, le petit avec son masque également, il a même pas de, on dirait quoi, je sais pas trop comment il y voit et comment il fait pour respirer, parce que ça lui prend vraiment toute la gueule son masque. Ah, c'est en mauvais état mon petit, il arrive même pas à se relever. Personne n'a saigné, hein, c'était un match relativement tranquille contrairement au précédent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez d'autres vidéos sur WWE14. Oh, on était en 97 là, hein, il y a longtemps quand même. Je sais même pas si le petit là il était né. Enfin bref. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et puis à bientôt tout le monde. Ciao.